Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de White Shadow pour cette nouvelle vidéo rétro gaming consacrée une fois de plus à un jeu MSX, ma machine de prédilection. Ce jeu c'est Volgar, je l'ai découvert bêtement comme ça. Alors vous avez vu, il y a trois versions, une version cassette avec une jaquette rouge, une version cartouche avec jaquette bleue et une deuxième version cartouche avec la jaquette noire. C'est assez étonnant. Alors, on va se lancer tout de suite dans l'aventure. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je vais vous le dire tout de suite, c'est un shoot 'em up. Alors il est assez original, c'est-à-dire que vous allez commencer l'aventure par un simple shoot, c'est-à-dire vous allez avoir un vaisseau, vous allez devoir bombarder ce qui se trouve en bas de l'écran. Alors on commence la mission, voilà. Alors vous voyez en bas de l'écran il y a des bâtiments, alors vous passez en rase-mode. Le mieux c'est de passer en rase-mode puisque lorsque vous êtes en haut, le temps que les bombes tombent, vous en tirez moins. Donc le but est de monter la barre rouge là en dessous. Une fois que cette barre arrive à un tiers, vous gagnez un deuxième vaisseau qui vient vous rejoindre à l'arrière. Et deux tiers, vous avez un deuxième vaisseau qui vient. Et si vous arrivez à compléter la barre à fond, le vaisseau s'assemble pour former un mecha qui est quasiment indestructible. Hein. C'est-à-dire que là, si vous vous faites toucher, vous perdez votre vie. Si vous avez deux vaisseaux l'un derrière l'autre, vous faites toucher, vous perdez un des deux vaisseaux. Il va falloir recommencer à monter la barre rouge. Si vous avez trois vaisseaux, vous en perdez un. Et voilà. Par contre, il faut pas perdre le vaisseau de tête. Si vous perdez un vaisseau de queue, c'est pas grave. Il joue comme des options hein, à la Gradius. Si vous perdez le vaisseau de tête, c'est votre vaisseau principal. Vous perdez une vie. Lorsque le mecha est assemblé, vous avez un bouclier qui absorbe les coups. La barre rouge remonte toute seule. Et lorsque vous faites toucher, elle descend. C'est inversé. Donc c'est vraiment pas une mauvaise idée. Alors c'est un jeu MSX 1, hein, vous voyez, il tournait sur cartouche, donc c'était, voilà, il n'y avait pas grand chose. On arrivait à faire des choses avec 32 ou 64K, c'était vraiment peu, comparé aux centaines de gigas qu'on télécharge actuellement. Mais comment dire, c'est assez addictif. Alors, je vais essayer de monter la barre, je vais avoir un renforcement là, vous avez vu, j'ai un deuxième vaisseau. Je vais essayer d'avoir le troisième, et ensuite de faire le mecha. Je suis jamais allé plus loin que le stage 2, hein, parce que après, voilà, je me suis pas plongé à fond dedans, j'ai pas machin, je l'ai fait vite fait là, devant vous, c'est la deuxième fois que j'y joue. Hein. Donc voilà. Donc c'est une mécanique de jeu assez intéressante, et voilà, c'est une mécanique de jeu assez intéressante qui est vraiment addictif. Je vous invite fortement à le tester. Alors bien sûr, bon bah il n'y a pas de musique et compagnie. Alors le petit truc bizarre, c'est le score, vous voyez en bas à droite, qui prend une partie de l'écran. C'est assez bizarre, ils auraient pu le mettre vraiment dans le dessous, là, dans la barre du dessous. Je vois pas pourquoi ils ont mis ça à droite. C'est... Bon, voilà, ça prend une partie de l'écran, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est un choix. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la chaîne de White Shadow pour une nouvelle vidéo rétro gaming, merci à vous.